Eh bien, le canton de Saint-Just, maintenant, c'est 84 communes, puisque depuis 2015, ça a été réorganisé. Et là, sur ces 84 communes, vous y trouvez pratiquement tout, c'est-à-dire tout le patrimoine qu'on peut voir sur place. En commençant par l'église, l'extérieur, l'intérieur, tout le petit patrimoine, un peu d'histoire. On parle un peu des deux dernières guerres. Enfin, disons, on essaye de faire une approche de tous les sujets sur chaque commune. Alors il faut un an en fait, il faut un an, mais ça dépend comment on s'attache à faire ce travail. Moi un an, c'est-à-dire que pendant tout le confinement, j'ai fait les textes. Il y a un premier confinement, 2 mois de travail, 8 heures par jour, les textes. Entre deux, c'était les photos sur place, quand le temps le permettait, surtout qu'il faut un petit peu de soleil pour avoir des photos un peu plus de piqué. Alors tout ça, ça s'est fait entre les deux confinements en fait. Alors ça, les intérieurs d'église, les rendez-vous à prendre avec les mairies pour ça, interroger les gens du pays, les photos d'avion, vues en drone avec mon fils Emmanuel, et puis à la fin, c'est une recompilation de tout cela. Chères Grandvilloises, chers Grandvillois, à l'aube de cette nouvelle année, je voudrais, au nom du Conseil municipal, vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021. Mais surtout des vœux de santé, beaucoup de vœux de bonheur, de vœux de prospérité et de réussite. Pour vous, pour votre famille, pour les entreprises de Grandvilliers, les commerçants, artisans bien sûr. Nous venons de passer une année difficile, nous en sommes conscients et nous espérons vraiment que 2021, nous apportera nos vœux, nos souhaits, de façon à ce que chacun se retrouve bien mieux. Votre commune a pu réaliser malgré tout les travaux qu'elle avait envisagés en 2020. Nous souhaitons maintenant démarrer 2021. Notamment avec les travaux de rénovation de la caserne des pompiers et puis les travaux dans la rue du Général Leclerc et quelques rues diverses. Puisque nous avons fait beaucoup de travaux en 2020, 2021 sera un peu plus calme. Je sais que 2021, le Covid-19 sera toujours présent, mais nous attendons avec impatience dans les zones rurales à organiser la vaccination, de façon à ce que tout le monde puisse ressortir comme avant et faire ce qu'il souhaite comme on le faisait avant, et notamment avant mars 2020. Bonne année à tous et à bientôt. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton rôle au sein de la série ? Oui, alors moi je m'appelle Franck Leroy et puis là j'apparais en fait en tant que figurant dans la série Germinal en tant que joueur d'échecs. D'accord, alors comment ça se passe le tournage jusqu'à présent ? Très bien, en tout cas l'équipe est très agréable et aux petits soins, c'est vraiment une très belle découverte, voilà. Le cinéma, c'est quelque chose que t'aimes bien, que t'apprécies ? Énormément, oui. Et intervenir de cette façon, c'est assez bon en soi, voilà. Maintenant, t'as hâte que ça sorte ? Comment ? T'as hâte que la série sorte sur les écrans ? Complètement, de voir un petit peu le rendu. Ok.